C'est une triste nouvelle qui bouleverse le monde du patinage artistique. Alexandra Paul, grande figure de la danse du glace, est décédée à seulement 31 ans dans un terrible accident de voiture ce mardi 22 août alors que son fils était également à ses côtés dans le véhicule, a rapporté ESPN après l'annonce de Patinage Canada. L'ancienne star du patinage se trouvait dans l'un des 7 véhicules heurtés par un camion qui a perdu le contrôle dans une zone de construction dans le canton de Mélanchthon, au nord de Toronto. Le poids lourd a percuté une longue file de voitures, dont celle de la sportive, qui n'a malheureusement pas survécu au choc, laissant derrière elle son fils de 10 mois qui est, selon la presse canadienne, un véritable miraculé. La vie du nourrisson n'est pas en danger. Au cours de sa carrière professionnelle, la sportive a participé à de nombreuses compétitions dont les Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi en Russie aux côtés de son partenaire et mari Michel Islam au cours desquels ils se sont classés 18e dans l'épreuve mixte de danse sur glace. Le couple a décroché à plusieurs reprises des médailles, dont des médailles de bronze aux championnats nationaux de patinage canadien en 2011, 2014 et 2015. Alexandra Paul et Michel Islam ont finalement décidé de prendre leur retraite du patinage artistique en 2016 après avoir remporté la médaille de bronze à l'US Classe Internationale. En couple sur la glace comme dans la vie, Alexandra Paul et Michel Islam se sont mariés en 2021 et ont accueilli leur fils Charlie en 2022. Alexandra a laissé une marque indélébile sur le monde du patinage artistique, la Fédération de patinage artistique canadienne lui rend un vibrant hommage. Alexandra Paul était une « étoile brillante sur la glace et hors de la glace », a expliqué la Fédération de patinage artistique canadienne dans un communiqué. Alexandra a laissé une marque indélébile sur le monde du patinage artistique, grâce à son dévouement, sa passion et ses talents remarquables. Patinage Canada a tenu à souligner l'impact que sa carrière a eu sur les futures générations de patineurs artistiques, elle était non seulement une athlète accomplie, mais aussi un véritable modèle pour les futurs patineurs, démontrant les valeurs de la résilience, de la persévérance et de la conduite sportive.